Bonsoir les amis, comment allez-vous? Ben voilà, écoutez, là j'ai mis un gigleur de 66. Ça a l'air d'aller, mais je pense que en fait ça arrive que quand je suis en bas régime, mais vraiment en très bas régime, ça m'est arrivé une fois. Hein. Par exemple, quand c'est une petite montée, que je m'arrête à un carrefour et après je prends à droite, c'est une montée. Et ben là, elle fait un peu beau. Vous voyez, elle engorgeait un peu. Je ne sais pas si je vais redescendre encore de 66, mettre à 64. Mais en tout cas, je suis super étonné parce qu'elle va super bien. Franchement, on dirait que j'ai un kit dessus. Carrément. À mon avis, c'est le Vario et le Po qui font ça. Parce que franchement, j'ai l'impression d'avoir un kit Polini, je sais pas, moi, 50 cm3. Ou... Franchement, elle va super bien. Franchement, je suis super content. Là, j'ai refait les phares. En fait, j'ai essayé de tester tous les fils, mais franchement, ça n'a rien donné en fait. Allez, je vais reculer un peu, ça on va mieux. Et en fait, j'ai réussi à garder ce truc-ci, donc le klaxon fonctionne. En fait, j'ai la position haute et la position basse. Bon, là c'est inversé, hein. Mais là j'ai la position haute, la position basse et éteinte. J'ai testé en fait les fils des clignoteurs, mais j'ai pas trouvé en fait. J'ai testé tous les fils, j'ai pas trouvé. Il y en a aucun qui donne du jus. Donc voilà. Donc là, elle est terminée. Peut-être là, j'ai pas trop le temps, donc je vais tester peut-être le gigleur de 64 et voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, aujourd'hui, il a fait soleil, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, je sors à peine maintenant, il fait noir, vous voyez, donc les journées sont courtes et il fait froid, donc moi je suis pas trop chaud pour rouler dans le froid. J'avais des autocollants mal aussi là, vous voyez ici là. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait un peu trop, ça fait plus trop d'origine. Parce qu'en fait, mal aussi ça représente un peu comme le lion du Peugeot, mais je crois que je vais les enlever parce que voilà, quoi, c'est pas. Je sors un petit peu de mon objectif. Et franchement, si j'ai les sous, je crois que je vais. Acheter un pot d'origine que je vais débrider et tester pour voir ce que ça donne. Parce que si ça va aussi bien avec le pot d'origine, je sais pas. Là, dans le carbu, j'ai remis le petit plastique noir avec une mousse. C'est la mousse qu'il y a dans les cornets Polini. Vous voyez, ceux qui sont comme ça, là, les ronds noirs avec 4 trous. Il y a deux mousses, il y a une mousse plus compacte et une plus légère. Moi, j'ai mis la plus légère. Alors, voilà, quoi. Donc voilà, je vous laisse, je fais une petite vidéo vite fait comme ça. Et j'espère que vous avez apprécié. Pour la caméra embarquée, bah désolé, pour le moment ça va être chaud. Il va falloir que je trouve un support là pour mettre sur le guidon. Parce que je peux pas rouler avec une main. Vous comprenez que j'ai pas d'assurance, j'ai rien. Je roule juste ici dans ma cité en fait, pour tester. Là je vais te faire juste l'aller-retour de la cité. Je vais peut-être refaire encore un petit tour si j'ai le temps. Pour voir maintenant comme elle est bien chaude. Et voilà. Je vous remercie les amis. Commentez-moi, dites-moi quoi pour les autocollants, s'il faut que je les bouge, si ça passe, ou si ça va encore. C'est quand même discret, c'est pas. Donc voilà, le stop arrière il va bien, tout fonctionne bien, je suis content, elle tourne très très bien. Et voilà quoi. Ben aussi, je pense que je vais. La prochaine fois, je prendrai la meilleure huile parce que j'ai pris de l'huile dans une bête pompe là, de la bête huile que je connais pas. La prochaine fois, je prendrai une bonne huile. Si vous voulez me conseiller, conseillez-moi si vous avez vous des idées. Moi j'ai mon idée déjà, mais on sait jamais si vous connaissez une qui est super bonne, qui correspondrait plutôt avec mon cylindre d'origine, un carbu de 15. Parce qu'en général, moi je roule jamais comme ça, donc je suis un peu novice dans l'origine, on va dire. Donc voilà les amis, passez une bonne soirée ou une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.